Jonas Berthou défaite 3-2 au pénalty contre Inter Tour ce soir. Beaucoup de tirs au but, mais on a aussi l'impression que vous êtes beaucoup cherché sur la glace sans forcément trouver des solutions. Ouais, c'est vrai qu'on voit qu'on a, on a beaucoup tiré au goal. Malheureusement, on marque deux fois. Se chercher, oui, je pense qu'on se cherche encore un peu. Mais malgré ça, il y a eu des bonnes choses à retenir. Donc on va travailler avec ces bonnes choses, corriger les mauvaises et puis aller de l'avant pour le prochain match samedi. J'ai l'impression que le début de match vous a aussi beaucoup influencé. Vous avez offert beaucoup de 2 contre 1 à Winter Tour. Est-ce que tu as aussi l'impression que vous êtes rentré de manière difficile dans cette partie ? Ouais, on est rentré de manière difficile au premier et au deuxième tiers. Justement, bah, comme tu l'as dit, les contres. Ou ça, c'est à nous de s'ajuster. On ne peut pas aller tous de l'avant comme ça. Il faut qu'on soit plus compact sur la glace, jouer à 5 partout dans tous les compartiments. Donc, on va travailler là-dessus et puis faire attention à tous ces contres et puis garder... ce côté positif en attaque. Aussi, pas énormément d'émotions, soit quasiment pas de pénalité. Vous devez aussi aller chercher ces émotions sur la glace. Je pense que les pénalités, ça vient aussi avec la pression qu'on met à l'adversaire. Donc, est-ce qu'on a manqué de mettre de pression? Je pense pas. Ils jouaient assez propre, les arbitres ont assez laissé jouer. Mais c'est clair que 2 ou 3 powerplays, ça nous aurait peut-être avantagé aussi. Samedi, on se retrouve à Graben, il faudra faire 3 points quand tu reviens. Ouais, c'est clair, des points comme ça, on ne peut pas en perdre à la maison tout le temps. Même jamais, c'est des points, surtout à la maison, on doit se faire respecter, on doit gagner. Et puis oui, samedi, on va chercher les 3 points. Merci Jonas.